Bonjour, vous allez bien? Bonjour docteur, oui ça va. Bien, qu'est-ce que vous nous amenez? Il y a ce petit lapin qui a besoin d'aide. Je dois l'examiner de plus près, je vais le donner à Jordan. Hier soir, je suis intervenu sur une scène de meurtre dans mon jardin. J'ai sauvé ce petit lapin de mon chat et je me suis dit qu'il méritait une seconde chance. Il a tenu la nuit. D'accord. Vous avez essayé de le nourrir? Je lui ai donné un peu d'eau. J'en ai versé sur mon doigt pour lui mettre sur le nez. Ah oui, regardez ça. Il a une petite blessure ici. Aïe, pauvre bébé. La blessure est assez profonde. Elle a traversé la peau jusqu'à la zone musculaire. Je n'avais pas vu que c'était si grave. Ah oui, quand même. La blessure du bébé lapin est si profonde qu'elle ne pourrait pas se guérir toute seule. Je veux juste lui donner une seconde chance. Je sais, on va faire tout notre possible. Je veux juste lui donner une seconde chance. Je sais, on va faire tout notre possible. Le docteur Ferguson examine un lapin minuscule qui a une grave blessure au cou. On va le prendre en charge et le soigner. D'accord, merci. Allez. Allez, petit père. Bien, laisse-moi regarder le bébé. Je ne pense pas qu'il faille le suturer. Voyons voir ça. Il va falloir lui donner des antibiotiques, le nettoyer et le réhydrater. Si tu veux aller chercher tout ça pendant que je le tiens. Il ne faut pas longtemps pour qu'un bébé lapin se déshydrate. Au bout du compte, ça peut lui être néfaste et il ne survivra pas. Donc, quand un bébé lapin arrive, il faut se dépêcher. La peau des lapins est si fine qu'il faut faire attention. Il faut une aiguille plus petite. On ne veut pas blesser ce petit bébé. Le docteur Ferguson administre des liquides sous la peau du lapin pour l'aider à s'hydrater. Je sais, ça va, ça va. Voilà qu'il parle. Je suis désolée. Ça va aller. Et voilà. Je désinfecte toute cette zone. Heureusement qu'il ne l'a pas eu à l'œil. C'est un lapin chanceux. Ça va. Tout va bien, je suis désolé. Qu'est-ce que vous faites? Je soigne une petite blessure sur un lapin. Un chat l'a attaqué. Les chats n'ont aucune pitié ici. Non, mais la prochaine fois, je serai avec le lapin. Le chat n'a pas intérêt à se montrer. On a décidé de ne pas suturer la plaie parce qu'elle était trop proche de l'œil et la peau est très fine. On espère que la plaie va se résorber et guérir de l'intérieur et que tout ira bien. On va l'appeler Scarface. Il aura l'air d'un dur à cuire en plus. Face au chat. Quand il retournera dans le quartier, il va se mettre de profil et les chats vont dire « Oh !» C'est Scarface. C'est Scarface. On ne plaisante pas avec Scarface. Tu vois, t'as déjà une réputation, mon pote. Je pense que le propriétaire devrait garder Scarface pendant 3 ou 4 semaines avant de le relâcher dans la nature. Ça vaut mieux. Après ça, tout devrait bien se passer. Bien, on a trouvé deux noms pendant qu'on était là-bas. C'est vous qui allez prendre la décision finale, parce que j'essaie de le préparer à son retour dans le quartier quand il reverra le chat, vous voyez? Alors, soit ce sera... Roger, ou alors Scarface. Scarface? Très bien, on reste sur ça. Je pense que le chat va le laisser tranquille quand il reviendra dans le quartier. Alors, on a nettoyé la zone, ça va guérir, et au bout d'un moment, on ne verra même plus la blessure. Oui, et puis on le laissera décider quand il veut partir. Ouais, dès qu'il sera rétabli. Ce n'est pas passé loin. Oui, ça c'est certain. C'est juste à côté de son œil. À peine un millimètre plus loin et il l'aurait perdu. Ouais. Quand je l'ai trouvé hier soir, c'était une image horrible. Mais au final, ce n'est pas aussi grave que je le pensais. Et je suis sûr que ma famille va vouloir aider. Je pense qu'il se remettra.